Salut tout le monde, c'est Cassie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode du Random Legacy après que Mimigal ait fêté son anniversaire et qu'on soit passé au relooking. Je l'ai envoyé en bas parce que pour l'instant elle va pas à l'école, histoire de causer à des gens, même si là c'est un petit peu creepy j'avoue, cet étrange phénomène. Juste histoire qu'elle récolte 2-3 contacts pour que je puisse remonter son besoin social avec le téléphone quand j'ai la flemme de me déplacer quoi. Voilà. Et puis on va commencer par changer sa chambre pour qu'elle puisse avoir un vrai lit en fait, parce que vu que là c'est que les affaires de bambin, ça va pas marcher. Voilà. Petite précision avant d'attaquer aussi. Après discussion avec mes camarades sur le forum officiel concernant différentes règles du challenge, je me suis rendu compte que il fallait en fait tirer les dés pour la génération suivante à chaque naissance en fait, pour avoir tous les éléments en main pour pouvoir faire les choix qu'il faut en temps et en heure. Ce que je n'ai pas fait pour cette génération, mais bon, moi ça m'importe pas vraiment grand chose. Ça m'importe pas vraiment grand chose, tout à fait, vous avez compris l'idée. oui, du coup, comme les deux grands sont moches, ben je croise les doigts à fond pour que Mimigal soit jolie, parce que du coup je suis obligée de la choisir en héritière pour pouvoir faire le lancer de dés. Parce que ça m'énerve de devoir faire le lancer de dés pour tout le monde. Donc il faut que je choisisse mon héritière en avance. En fait, le truc c'est que je choisis toujours en fonction de la plus belle tête des enfants, voilà, c'est vraiment un toc, j'ai besoin que le sim ou la simette soit jolie pour faire une belle génération en fait. Et le truc c'est que de enfant à ado, on sait jamais si ça va marcher ou pas. Pour ceux qui ont suivi mon sans bébé, on a eu beaucoup de surprises, donc voilà. Donc là, tant pis, je vais la choisir comme héritière avant qu'elle passe ado. Parce que les deux grands vont passer jeune adulte avant que je puisse voir sa tronche à elle. Donc une fois qu'ils sont jeunes adultes, il faut qu'ils quittent le foyer dans les 24 heures en fait. Pour ne garder que l'héritier ou l'héritière dans le foyer pour la suite du challenge. Donc on va dire qu'elle va être jolie. Et puis voilà. Et puis j'ai fait le lancer de dés, comme ça je vous informe. Je vous donne pas encore les détails. Mais le lancer de dés est fait et je connais les modalités de la prochaine génération. Qui risque d'être un poil plus mouvementé, moitié-moitié je dirais, vous verrez, voilà. Du coup, on va passer tout de suite à la construction. En fait, je vais pas me prendre le chou, je pense, je vais juste déplacer le lit et je vais ouvrir par l'arrière la chambre. Oui, hop, voilà. Alors du coup, je vais quand même harmoniser le truc. Voilà. Hop. Et hop, c'est n'importe quoi. Du coup, il y a une porte ici. On s'en tape maintenant. Pardon. Je suis encore dans un gros rhume et un mal de gorge. Il fait pas très mal, mais ça gratte, donc ça me donne envie de tousser. Et je pense que j'ai une voix assez étrange par rapport à d'habitude. Je suis navrée pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter là-bas? Il y a de la place. C'est dommage de pas en profiter. Je vais rajouter une table à dessin. Je crois que l'aspiration, je lui ai mis créative. De toute façon, ça va changer une fois ado. Donc pour l'instant on va rester sur créative et puis ouais je vais lui mettre une table à dessin. Ça ira bien comme ça. Elle est de quel côté? Elle est dans la chambre des enfants la table à dessin, merci beaucoup. Hop. Et voilà, merveilleux, c'est trop laid, c'est pas grave. Enfin. Alors petite update concernant les baumes, enfin les remèdes qu'il fait en général. Je viens de faire un baume pour la peau, alors donc c'est celui qui est initialement à 41. Effectivement, les ingrédients de meilleure qualité font des baumes plus chers, puisque celui-là, il passe à 61. Alors bon, je sais pas si on arrivera un jour au point de faire des baumes qui rapportent vraiment gros. Je pense que c'est vraiment plus de l'argent de poche qu'autre chose. Mais au moins, ça augmente, voilà. Alors, on a Rachid qui fait des bulles, c'est quelques jours après le début de la vidéo.
La vie a suivi son cours, voilà. Il a planté de nouvelles plantes pour pouvoir faire d'autres baumes. Et puis, voilà, on continue de vendre des toiles. On en est à plus de 12 000 simflouz. Je crois qu'on a gagné quelque chose comme 4 000 simflouz depuis le début de la vidéo. Et puis, voilà, c'est bientôt l'anniversaire également des jumeaux. Donc, ça va se passer dans cet épisode. Et puis, on pourra les virer. Hop. Alors, par contre, je sais plus s'il va rester longtemps. 3 heures. Eh ben, tu seras le dernier à souffler. Faudra en faire un autre. Pauvre Rachid, il est déjà tout vieillot. Bon, en même temps, c'est pas une super vie qu'il a. Heureusement qu'il a encore ses escapades en forêt pour faire quelque chose d'intéressant de sa vie, parce que sinon, c'est pas tip-top, quoi. On va mettre les bougies, mais... Ah si, encore 3 heures. Peut-être qu'ils auront le temps, les autres zigotos, de pouvoir les souffler. Ok. Où est-ce qu'ils en sont d'ailleurs? 0. Je me rappelle plus quand est-ce qu'ils sont nés. Ce sera peut-être dans la soirée ou alors demain. Voilà. Bon, ça y est. C'est l'anniversaire, donc c'est le soir même. Hein. Pas de grosse surprise. J'ai envoyé Rachid dans un quartier d'Oasis Springs pour trouver des tomates dont il avait besoin pour je sais plus quoi. Franchement, c'était il y a 5 minutes, c'est pas grave. Je retrouverai. Voilà, il a juste fait un petit tour, voilà, comme ça au moins. Vous êtes au courant des nouvelles, il a récolté 2-3 légumes aussi, comme ça il pourra en planter quelques-uns avant de trépasser. Et puis pour que dans le futur je puisse remplir un peu le frigo de trucs sympas pour faire des repas. Voilà, alors Togetic, on s'en tape, Morose, hop, remets les bougies. Hop, ou les chauves-souris. Toi tu souffles les bougies, toi casse-toi, allez. Monsieur Blafard, tu vas te tirer vite fait, bien fait. Voilà. Je mets les bougies, mais je pense pas qu'ils servent beaucoup. Oh, il reste encore 3 heures, remarquez. Voilà. Du coup, je vais tout de suite les virer du foyer. Et puis, maintenant, il faut attendre l'anniversaire de la petite. 9 jours. Eh ben, c'est pas demain la veille. Hein. C'est dimanche au petit matin, du coup on recommence une nouvelle semaine, donc on va faire les activités sur ordi. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fusionnes avec les meubles. C'est vachement pratique. Allez, direct sur l'ordi, sport incroyable. Et la petite elle continue de dessiner, le seul truc c'est qu'elle avance pas du tout dans son aspiration parce qu'elle est jamais inspirée. Et comme j'ai très rarement le réflexe de mettre les Sims dans des états d'esprit spéciaux, j'ai même pas pris le réflexe de voir ce qui pouvait l'inspirer. Mais enfin. Il y a des objets, mais j'ai la flemme d'aller regarder le catalogue. Des objets qui donne les états d'esprit, je vais y arriver. Ouh là là. Alors, tu commences. Allez, à 5 minutes près, on va dire c'est 5 heures. Ok. Maman, elle a pas encore fini sa nuit. Ah bah d'accord, oui, c'est pratique. Hop, bon, comme on était à quelques minutes près, c'est bon, on va pas se faire chier à compter les minutes pendant lesquelles il a pas fait. Allez, non, tais-toi par contre. Allez, va. Voilà. Toi, tu as fini. Un petit pipi, on retourne dessiner. Allez, hop. T'as bientôt fini ta nuit. La 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 lili. Et il y a des trucs qui puent de partout. Mais arrêtez d'y laisser par terre. Il y a deux éviers, deux poubelles. Ah non, l'autre, je l'ai viré. Une poubelle.
Et le jardin qui commence à avoir des bestioles. Allez, on va dire que t'as fini ta nuit, c'est bon. Hop. Elle, par contre, il lui reste encore ouais, toute une semaine avant de vieillir. Bon, ce qui n'est pas plus mal, parce que j'ai l'impression d'avoir commencé le challenge la semaine dernière, voire il y a deux semaines, allez, grand maximum. Donc ça va me faire bizarre de l'avoir passé senior bientôt, en fait. Donc on va dire que pour l'instant, je profite. Il y a tout qui casse, ça va là ? Bon allez, prends un yaourt. Toi, ça fait déjà une heure et demie. Toi, t'en es où ? T'as pas encore fini. Ok. Alors régulièrement, à tour de rôle, je les fais taper sur le sac de frappe, histoire de limiter les dégâts. Entre la bouffe, les changements d'âge et tout ça, ça prend des rondeurs, quoi. Et comme c'était le seul truc que je pouvais me payer au moment où je l'ai installé, bah, je suis resté là-dessus. Donc ouais, je crois que je disais il y a pas longtemps qu'on était à 12 000, donc là on est passé à 15 000 simflouz. C'est pas mal. Toi t'as fini. Bientôt. Lui aussi c'est pareil, il lui reste pas trop longtemps. Allez, un quart d'heure. Allez, zou. On a fini. Va manger. Hop. Autour de maman. T'as fini ton yaourt. Très bien. Allez, vire-toi de l'ordi, là. Vive les Sims. Hop. Alors, il commence 8h20. Ok. Il commence. Elle commence, bien sûr. Mettre dans l'inventaire. Alors, elle est concentrée. T'es pas censée être inspirée quand tu dessines ? Des gens. Allez. Ça, c'est nouveau. Dessine des gens. Oh, c'est mignonne, là. C'est mignonne. Pff. Je vous explique, c'est genre minuit et demi, là. Donc, je sais plus causer correctement. C'est mignon, je voulais dire. La petite famille réunie, là. Oui, Elios. Je parle à mon chat. Ouais, le dessin aussi, c'est mignon. Je crois que j'ai jamais fait assez dessiner les enfants pour aller au-delà de véhicules et formes, en fait. Je sais même pas ce qu'il y a après Jean. Allez, prends le bol aussi. C'est bien. Et occupe-toi du jardin. Oula, il y a plein de trucs à faire, là. Hop. Pas de désherber. Non, ok, bah déjà, fais ça. Ça va t'occuper. Alors, ça donne quoi ce dessin? Oh, mais il est bien moche en fait, ton monsieur là. C'est pas grave. Vas-y, fais-en un autre. T'en es où de ta compétence d'ailleurs? 4. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais attendez là, oh, oh! C'est quoi ce délire? Va falloir recommencer. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es parti? Du coup, je t'ai pas du tout suivi. Je suis m'extasie sur la petite famille réunie et... Bon, on va dire 10 heures. Hein. Mais je calcule même pas qu'en fait, t'es plus devant le PC. N'importe quoi. Bon, c'est le même que tu fais. Magnifique, c'est moche. Allez, jusqu'à 13 heures, là. On y va. Ta ta ta. Alors, faire évoluer. Non. Ta ta ta. Non. Bon, ça brille pas, mais vu que la perspective. Elle me fait voir de traviole, je clique sur tout en fait. Faire évoluer. Ah oui, tu le faisais deux fois, d'accord. T'es toujours devant toi, c'est bien. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut de plus là? C'est bon, t'as tout fait?
J'ai aussi. Bah, je continue à faire des remèdes et j'en suis arrivée à un baume que j'avais encore jamais fait et qui m'a valu 76 simflouzes. Donc franchement, c'est rien du tout quoi. T'en es où de ta compétence? Oh, j'ai l'œil qui part en couille. Excusez-moi. Il est tard, laissez-moi tranquille. Niveau 7, je pense pas qu'il découvre encore 36 millions de remèdes. Donc franchement, pour gagner sa vie, c'est pourri comme compétence. Heureusement qu'elle est là avec la peinture. Ouais, du coup, bah, vu qu'il est déjà passé senior, je pense que je vais lui filer une retraite tranquille et puis faire une fois de temps en temps des baumes. Puis voilà. Non, toi, t'as fini. Il est toujours aussi moche, c'est bien. Et te remontes pas vite, hein. Moi j'aimerais bien te voir dessiner autre chose là. Alors voyons. Qu'est-ce qui va nous coûter celui-là? Il y a des plantes, j'en ai déjà plus de 99, ça va trop vite en fait. Ok, alors. Ça, c'est sa distillation d'esprit clair. 64. Oh là là, je suis riche. Allez, encore 3 minutes et t'as fini ton temps, cocotte. Bon, j'aimerais savoir combien il coûte celui-là. Je crois que je l'ai jamais fait. C'est quoi? Crème désodorisante. 39. Oh putain, mais on va pas aller loin, hein? Bon, eh ben écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Le temps de l'ordi, c'est fini, c'est bon, va peindre. Colérique, je sais pas pourquoi, ça va te mettre dans un état. ben oui, ben sur ce, on va essayer de. Une semaine, c'est pas dit qu'elle passe à dos dans la prochaine vidéo, hein. Peut-être celle d'après. J'ai hâte de voir sa bouille en fait. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et puis bisous les gens, salut!